Voilà, magnifique, magnifique exemplaire d'une Selmer modèle petite bouche avec un manche à 14 cases. Celle-ci, elle a été fabriquée tout de suite après la guerre, à la reprise. Les bois typiques, reconnaissables, le manche en noyer, en trois parties avec sa petite tête rapportée et puis ce palissandre. Elle est particulièrement belle, moi j'en vois très rarement dans cet état-là. Il y avait quand même des choses à faire parce qu'elle était dure à jouer. J'ai discuté un peu avec Maurice Dupont, il s'en est occupé et maintenant je suis très 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 content. Quoi. Elle a vraiment gagné en jouabilité et en son. Je pense qu'on l'a remis comme elle était, j'imagine, à l'origine. Quoi. La deuxième version des guitares Selmer, la première étant celle créée par Macaferri, jeune luthier guitariste qui rêvait de fabriquer une guitare dont le volume sonore serait plus important. Elle est très très bien faite, magnifiquement pensée par Macaferri. Et puis il est le premier à utiliser du bois laminé, contreplaqué pour les éclisses et le fond. C'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus solide et ça va participer au son de l'instrument. Et bien sûr avec son barrage particulier de la table qui va donner la personnalité de cette guitare-là. Cette petite bouche ferme un petit peu, enferme un petit peu le son à l'intérieur de la caisse et donne un son beaucoup plus compressé mais qui se marie très bien avec le jeu un peu puissant. C'est l'époque aussi où les guitaristes commencent à vouloir des manches à 14 cases. Ils ont donc augmenté le diapason, sorti le manche pour pouvoir proposer 14 cases. Quand Django rencontre, découvre ces guitares-là, par rapport à tout ce qui est offert à l'époque, il ne peut que craquer. Il ne peut que craquer. Vous vous connaissiez un peu, mais c'est quand même sympa d'échanger autour de ces guitares. Et tu nous avais déjà fait le plaisir en 2008 de préfacer le premier album voilà, de Selmer 607. Très, très content que cette guitare continue sa vie, notamment en étant prêtée à des guitaristes qui peuvent s'en servir alors qu'ils n'ont pas toujours accès à ces belles guitares. C'est vraiment un super projet. Alors on compte sur vous. On a besoin de vous pour continuer l'aventure.